Quels sont ces métiers qu'un logiciel ne peut pas remplacer? Nous avons posé la question au plus célèbre d'entre eux, ChatGPT, qui de son propre aveu n'a pas de compétences émotionnelles. Comme nous l'explique en chair et en os cette spécialiste, voici les emplois d'avenir qui ne seront jamais remplacés par une intelligence artificielle. Ce sont soit des métiers qui s'appuient sur des gestes techniques, soit des métiers qui ont beaucoup de relationnel. Ça va être le coiffeur, ça va être le cuisinier, ça va être l'aide-soignante ou l'aide-soignant, ça va être le généraliste, ça va être votre cordonnier, ça va être votre plombier. Pour tous les autres, le risque est soit d'être remplacé par une IA, là, l'intelligence artificielle fait le travail, soit par des salariés qui savent utiliser ces outils. Dans ce cabinet d'avocats, on ne recrute que des profils à l'aise avec le numérique. Il faut dire que le patron, maître Alain Bensoussan, maîtrise les robots. Qui est propriétaire des données personnelles? Il n'y a pas de législation sur la propriété. Il utilise un assistant vocal, mais surtout un logiciel intelligent qui lui rédige tous ses contrats, dossiers de plaidoirie, assignations, des documents dont la rédaction se fait quasi instantanément. Il va mettre une poignée de secondes, alors qu'une secrétaire aurait mis des heures à faire cela. Il gagne plus de 10 heures par semaine. Alors vient la question qui fâche. Sur ses 80 salariés, a-t-il supprimé des postes? Eh bien non. Il a certes moins de secrétaires, mais il a embauché des informaticiens et a libéré du temps pour ses avocats. L'humain se consacre à la créativité, à la stratégie, aux tactiques, et les robots font un travail de labeur. Encore faut-il se former à l'utilisation de ces logiciels. Comme dans cette école où l'on apprend les métiers du numérique, nous y rencontrons un confrère. Un tableau, là. Je suis journaliste depuis 30 ans dans la presse écrite. Et puis, maintenant que l'intelligence artificielle est capable d'écrire, de parler, d'écrire comme des journalistes, moi j'apprends la langue des machines pour essayer de rééquilibrer un peu les choses et joindre la compétence des chiffres à celle des lettres. Peut-être pour faire du data journalisme. Il apprend le code. Comment tu utilises l'index 18. Langage pour nous un peu obscur. Et du coup, c'est le point iloc. Mais que lui a maîtrisé en quelques jours. La longueur du data frame. Après 12 semaines, ses élèves, pour la plupart en reconversion, pourront être embauchés comme analystes de données, l'un des métiers aujourd'hui les plus recherchés.